Zachariah is the father of the Bible. You can take it out. Hey guys. You do funny? Et puis on va prendre Matthieu 24, 1 to 6. Zachary. Zachariah, yeah. Did you see that? It's the, before the last one of the Old Testament. Yeah. It's between Matthew, Ubak, Malachi, Zachariah. Zacharie 14, 1 à 6. You do funny? Put it right here. Je lis au nom de l'Éternel, Zacharie chapitre 14, sois sûr que les fils soient bien connectés à l'intérieur ici des vagues. Make sure everything is connected correctly. Zacharie 14. You know funny? Come on, I'll give it to you. This is Matthew. You go back. Let me give it to you. Surahi, Zachariah, 14. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. 3. L'Éternel paîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le millier, et l'Orient et l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers les septentrions, et une moitié vers les midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qu'il sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Tout s'est fait. Zachariah chapter 14, verse 1 to 7 says, Behold, a day is coming for the Lord, when the spoil taken from you will be divided in the midst. 2. For I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses and the woman raped. Half of the city shall go unto exile, but the rest of the people shall not be cut off from the city. 3. The Lord will go out and fight against the nations as when he fights on a day of battle. 4. On the day his feet shall stand on the Mount of Olives, the lies before Jerusalem, on the east, and then the east to the west, and by a very wide valley, so that one and the other half southward. 5. And you of the valley of the mountains shall reach to Azel, and you shall flee
as the flood from the earthquake in the days of Uzziel king and the holy ones with him. 6. On the day there should be no light crossed. 7. And there shall be no unique day which is known to the Lord, neither day nor night, but at evening time there should be light. Ok, nous allons prier le Seigneur, puis nous allons lire Matthieu 24. Seigneur Jésus, nous voulons maintenant, Seigneur Jésus-Christ, parler de quelque chose venant de toi. Dépasse moi du chemin, dépasse mon frère, ma soeur dans son chemin. Sois avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Protège-nous pour toi, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on lit maintenant. Matthieu 24, nous lit tout. From 1 to 7 to. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura à divers liés des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 1 to 14. Wait, what chapter? Chapter. What? Matthew chapter 24, verse 1 to 14 says, Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out the buildings of the temple. 2. But he answered them, you'll see these, do you not? Truly, I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. 3. As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us when will these things be, and what will be the sign of the comings and at the end of the age. 4. And Jesus answered them, see that no one leads astray. You astray, for many will come in my name, saying, I am Christ, and they will lead many astray. 6. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but at the end is not yet. 7. For the nation will rise against the nation, and the kingdom against the kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. 8. All these are at the beginning of the birth pains. 9. Then they will deliver you up to the tribulation and put you to death, and you will be hated by all the nations for the name's sake. 10. And then many will fall away and betray one another and hate one another. 11. And many false prophets will arise and lead many astray. 12. And it will become lawlessness and will increase. The love of many will grow cold.
13. But the one who endures to the end will be saved. 14. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and the end will come. Seigneur Jésus, te disons merci. Nous voulons parler de la dernière partie qui restait le dimanche passé. Jésus, Dieu de mon salut, nous voici ici pour tenir devant ton peuple. Ceux qui nous écoutent sur place, ceux qui te parlent d'Internet, édifient leur cœur. Moi, je suis un homme, je peux me tromper, mais toi, tu ne peux pas te tromper et le Saint-Esprit ne se trompera jamais. Alors, bénis-moi, bénis mon frère, ma soeur, bénis tout ce que nous allons dire à cet endroit. Déplace-moi sur le chemin, déplace mon frère, ma soeur, dans son chemin. Sois avec chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Donne-lui ce qu'il demande là. Donne-lui ce qu'il demande, laisse-lui seulement. Alors, ici, si ce que nous avons parlé le dimanche passé, je dois finir cela. Aujourd'hui, j'ai écriture ici de Matthieu et Zacharie. Quoi? C'est ici, dans Matthieu 24, ici, 11. La Bible dit que les prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et ce sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera pour le monde entier pour servir de témoignage à tous. Alors viendra la fin. Alors, je vais te dire si ce qu'on avait lu le dimanche ont été mal compris de leur génération. Même dans notre génération, le problème est mal compris. Et il ne sera jamais parce que ce n'est pas qui croira au message et ce qui ira au ce n'est pas qui passera et qui ira dans l'enlèvement. Il y avait aussi certains prophétisés. Les gens ne le croyaient pas. Mais Jérémie dit que Jérémie 22, il y avait un prophète d'Israël dans l'esclavagisme. Dieu leur avait dit alors c'était la que Dieu avait avant que Jérémie vienne. Alors Jérémie a dit, il y avait cette prophétie-là que Dieu avait déjà prophétisé la captivité. Et il y avait une manière que Dieu avait tracée dans la Bible pour amener ce peuple dans son royaume, dans sa. Mais il y avait un prophète, Anania, et lui qui avait dit que non, il retourne. Et même les esprits de la maison de l'État de Babylone avaient enlevé de ces liens-là, alors il va récupérer, venir cela dans ces liens. Mais on a vu le prophète Jérémie. Pour savoir si ce que Ananias disait, c'est. Et quand Ananias parlait de ça, Ananias dit Jérémie. Alors, Jérémie répond Ananias, il dit, mais ce que tu es en train de dire, et ce que tu es en train de prophétiser, c'est. Il dit que les qui ont pari avant toi, et avant moi, contre ce il dit, ils ont
royaume des grandes nations. Mais on reconnaît un placement de ce qu'il dit. Et Jérémie dit, et on serait des avant moi et avant toi. Dès le et des grands royaumes, le malheur et la mais si un c'est de ce qu'il sera reconnu comme parce qu'un prophète on si seulement alors si c'est à tout moment, alors il est excusez-moi alors Jérémie dit aux gens que sachez que si vous me faites ça innocent vous et ses habitants ma vérité envoyée auprès de vous il ne faut pas l'église c'est pas comme ça maman Satan toi tu va là-bas va te mettre là-bas alors Jérémie dit que si vous me faites mourir, vous êtes innocent, vous vers vous, vous aurez quand un sur la terre, c'est que Dieu l'a réellement et faire ses ah, et Nessie dit les il a dans sa il vient ce que les gens croient être dans la vie. Il a je ne peux pas mais comme les gens les gens ajoutent des choses à la réglementer la parole sur la terre. Et quand un prophète vient, il ne fait pas. Il dit le Seigneur, ce qu'on appelle, il dit le Seigneur. Et il dit, le toi et avant moi. Des royaumes, des malheurs. Mais si un c'est envoyé et Dieu, il l'envoie avec la station, avec la nous avons reçu un même si les gens ne l'écoutent même si les gens se détournent avant les ainsi dit le Seigneur que Dieu nous a donné dans ce temps de la fin la ne vient pas c'est et je veux vous lire là où il est dit que si moi je alors de ma oui, dans la est-ce le site d'état de la fin il met en garde les gens il dit que maintenant écoute la
dire ceci de la façon que je l'ai dit. C'est très mal compris. Il faut aller dire à mon père, mais il ne dit pas réellement ce que Dieu a dit pour dire à son fils. Et la parole dit, les gens comprennent mal ce que vous pensez à travers vous. Parce que Dieu qui réglemente la vie des chrétiens. Dieu avait envoyé faire quoi? Cacher de la terre. Alors parce que dans l'ancien temps, il y avait des mais la chose visible et la était cachée. Et ce mystère qu'au jour de la voix du septième ange, au jour où il y aura ni jour ni nuit, mais la lumière, c'est pour révéler le mystère caché de la vie. C'est que ils ont été. Il est venu avec cette. Et il a dit, mais 4, cette condition-là n'est pas la bonne. Cette condition, il est. Quelle condition? Il dit ceci. Il dit. Je ne sais pas maintenant. Avez-vous compris? Je ne sais pas. J'étais censé aller chasser un jour avec Charlie avant de voir le Seigneur. Il dit, laissez-moi à l'ouest. Mais il est parti à une révélation. Il a dit que la raison pour laquelle l'indépendance n'est jamais venu immédiatement, c'est la réalité de Dieu. De vous effrayer, mais nous ferions bien de faire très attention. Nous sommes point. Alors, il commence maintenant à interpréter de Dion Jackson. Il dit, bon sang,
J'ai dit que la seule chose que je veux, que j'avais vu, c'est que le réveil est dans des différents. Il dit, il n'y a pas de réveil en Amérique. Il n'y a pas. Mais il dit, les réveils, il faut maintenant aller maintenant en Afrique. Il faut aller en Inde. Nous allons prier. Et cela est la fin. Est-ce que nous sommes la fin? Est-ce que après est ça? Est-ce que l'église de la Wani s'est appelée? Est-ce que est censé être sur la terre? Est-ce que nous sommes au temps? Est-ce que nous sommes au temps 10 et à 7? Est-ce que nous sommes dans cette. Et est-ce que nous sommes dans les temps ou bien nous ne sommes pas dans ces temps-là? Qu'au jour de la foi du Seigneur, le mystère de Dieu, comme il a annoncé à s'éviter le il dit, mais vous pouvez voir que c'est l'Église. Parce qu'il est dit ici. Qui est de la là de l'ange qui c'est celui qui est censé révéler tous les mystères cachés dans les Dieu maintenant va révéler tous ces mystères et il va nous dire exactement. Là, Branham dit cet ange avait un travail et les la voix a dit à Jean, cette voix n'écrit pas. Cela est réservé au temps. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 14, 24. Mais nous serons séduits. Alors, frère Dion Jackson, frère Dion Jackson, quand William Branham s'est dirigé vers l'ouest, beaucoup les a quittés. Parce que sur la montagne, il y avait une nation. Il y avait quelque chose qui devait être écrit. Mais, quand William Branham, les gens descendaient et quittaient. Donnaient. C'est fatigué, c'est découragé. Mais est resté là-bas à notre cette écriture, le rocher là. Alors cela veut dire quoi? Vous n'avez pas d'abord que éloigné. Je suis allé chercher les de ceux qui le rocher. Mais comme William était parti chercher l'interprétation, beaucoup se sont découragés. Ils sont rentrés. Ils ont dit que les personnes n'est pas. William Branham est ceci, William Branham est cela. Mais nous savons qu'il nous a envoyé réellement un prophète, William Branham. Comme les gens du message de la fin. Même si Dieu retire le nous nous restons sages. Sage, c'est ça le c'est la colonne oui, madame dit que les sept écrit et c'est cette chose, comme vous le savez, sont seulement la manifestation de cet ange, de cette église. C'est que chaque fois quand on les
il y avait une il y avait les et il y avait le messager qui devait descendre. William, chaque fois où les où la cela la guerre la cela a déclenché la guerre du tas de gens du tas de William madame que la cela a déclenché encore la guerre. Le troisième est venu. Quatrième, sixième. Cela déclenche la guerre contre. Il dit, c'est une guerre religieuse. Et cette guerre-là, c'est faisait pas ce que la parole de Dieu dit. Il dit que le septième ange, il met qu'il soit resté assis à son et dénomination. Il n'a pas le septième ange vire et met fin au mystère. C'est ce qu'il met fin au mystère écrit. Alors, maintenant, le mystère, on a mis fin, alors ce sera la fin. Vous le message est clair. Le message les gens rendent leur insouciance. La Bible dit que si une fille, c'est que sa vie, ou sa vie, le rythme du combat. William Bible dit que le message a insouciance. C'est ce qui est censé faire cette. Il doit se mettre ses gardes. Remarquez, il dit, si cela donne un faux conflit qui n'est pas spirituel, qui peut se si ce message conflit qui va se si ça donne un son clair, c'est que nous devons et nous. Il dit remarquez, chacun de ces âges, comme je vous ai parlé d'une église qui ferait d'une. Un son est et une. Et si elle ne donne pas, alors qu'elle est. Il dit que. Remarquez, si ça nous donne quand il et que les